Eh bien salut tout le monde sur Red Bull, et donc aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle critique sur Winding Nightmare. Alors, Winding Nightmare réalisé par Matt Bailey, Telliolfin. Alors ce film on pourrait le comparer peut-être à American Nightmare, et moi je l'ai pas du tout trouvé, enfin, même s'il y a un côté cache-cache, je n'ai pas trouvé le côté avec American Nightmare. Alors l'histoire c'est très simple, une jeune mariée va se marier avec un homme qui fait partie d'une grande famille et on découvre en fait au fur et à mesure du film, donc bien évidemment c'est avec spoil, donc on découvre au fur et à mesure du film qu'en fait ils ont fait une sorte de pacte avec un démon et que la personne qui fait partie de leur famille mais qui se marie avec un homme de leur famille doit jouer un jeu. Si jamais c'est cache-cache, à la fin ils doivent faire un sacrifice. Alors Winding Nightmare, je trouve qu'honnêtement le scénario est assez intéressant parce que on va vraiment trouver des personnages assez des fois stéréotypés mais aussi assez cachés. Par exemple je pense à Alex, du coup le celui qui fait partie de la famille, donc le futur marié, qui tout au long du film en gros va être avec sa femme, du coup Grace, qui va essayer de la défendre tout ça, et puis au fur et à mesure du coup va avoir une sorte de changement de personnalité dès qu'il va voir qu'il a buté tout simplement dans sa mère. Et ça va être la même chose pour Daniel qui lui est un peu le rejeté de la famille. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant ce changement de personnalité. Alors aussi au niveau du filtre de la caméra, je trouve que ça fait assez ancien film. Donc ça je trouve que c'était très bien réussi, que ce soit parce qu'on avait un début où en gros ça commençait directement avec une personne qui allait décéder, avec un certain filtre qui faisait penser un peu à des films des années style 80-90. Là on avait le même filtre. Alors du coup c'était comme une sorte de partie de cache-cache et je trouvais que du coup comme je l'ai dit le scénario était beaucoup plus innovant que comme on pourrait le comparer à American Nightmare. American Nightmare, je trouve que le film de Winding Nightmare, ok il y a peut-être au niveau du titre, mais moi je trouve qu'il y a rien, c'est juste au niveau du titre que ça ressemble. Mais je trouve que American Nightmare ça va être vraiment dans un l'espace, bon peut-être pas le 1 mais je pense que les autres se passent dans la rue, mais ça va se passer dans des fois toute une île, donc il me semble qu'il y a un moment donné ça se passe dans Manhattan, un truc dans le genre, dans d'autres villes, tout ça, bref. Alors que là c'est vraiment un huis clos, fermé, même si des fois on sort après du château, des fois c'est une sorte de cache-cache dans un château, donc même si on sort parfois du château ou à lieu de cache-cache, après on reste tout le temps dans le château. C'est vraiment un film à huis clos, une sorte de cache-cache d'horreur à huis clos qui ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout à mes... Alors après c'est un peu intéressant parce que du coup ce film aussi également parle de l'intégrité d'une personne qui va s'intégrer dans la famille. Bon là c'est dit de façon beaucoup plus violente, mais ça pourrait faire, enfin en version normale on pourrait dire ça comme ça, c'est un peu comme si une personne d'une famille intégrait du coup la famille. Et là du coup le personnage principal, donc pas Grace mais son mari, va être obligé de choisir entre elle et sa famille. Bon, à la fin des films, on va découvrir du coup qu'il fait le choix de sauver sa famille plutôt qu'elle. Mais je trouvais ça intéressant parce que du coup c'était une thématique que... je trouve que la thématique était bien abordée, qu'on n'avait pas ce genre de thématique dans les films et... que ouais, peu de films avaient une thématique derrière. Je trouve qu'il voilà, y avait une thématique de soit la famille, soit ta femme. Ça j'ai trouvé assez... assez bien. Donc après il y avait une sorte de côté sorcellerie avec un pacte avec Satan, donc à la fin ils explosent tous et du coup c'est à cause de Satan, donc du coup une sorte de jeu avec le feu, et du coup il y en a une personne donc ça pourrait être Satan, tout dans le sort, et dès qu'ils explosent en fait du coup il n'y a rien que Grace qui reste et elle sort avec la robe en sang et ça pourrait faire penser un peu à Carrie. La scène finale du bal, dès qu'en fait elle se reçoit du coup le sang de porc, c'est vrai que ça m'a fait penser vachement à ce moment là. Alors après du coup, donc après on peut facilement repérer les personnages, donc par exemple je pense même si après il devient gentil, mais on y pense de suite. Donc du coup Daniel qui va être le grand frère un peu, qui va vouloir directement tuer, alors que pas du tout en fait, ça va être lui le gentil.
la mère qui va vouloir défendre sa famille, le père qui voulait respecter les coutumes, la fille, la sœur de Alex qui, bah, directement on voit qu'elle a une sorte de manie, genre de un peu comme si, genre elle se frottait le nez comme si elle avait de la cocaïne. On en apprend au fur et à mesure que c'est une grosse junkie. Voilà, donc on a, parce que je veux dire ça. Dès le début, on nous présente vite fait les personnages, comment est-ce qu'ils sont. Et donc ça, je trouvais que c'était bien. Enfin, plutôt que de nous dire que ouais, elle a un tel problème, que lui, il a un tel problème, on nous montre par des signes assez distincts. Comme je dis du coup, avec la sœur de Alex, dès qu'elle se frotte le nez comme ça, on se dit bon bah ok, elle a un problème à tous les coups avec la cocaïne. Alors après, bien évidemment, c'est un film assez violent et gore, parce qu'il y a beaucoup de gore et scènes choquantes, des fois je m'y attendais pas. Après c'est pas le film de l'année, mais je trouve que c'est un très bon scénario. Ça ne m'attrape pas jamais, ça chapitre 2 qui reste toujours là-haut et ça chapitre 1. Mais je trouve que c'est un très bon scénario, très bien écrit, très bien réalisé. Et qui met, je trouve, en fait, en place, parce qu'il y a un petit côté un donné de technologie, dès que Grace est dans la voiture, elle pense se barrer, et que finalement, bon bah, étant donné que la voiture a été déclarée volée, directement ça s'arrête. Donc du coup, l'aspect assez riche, famille riche, on pourrait, voilà, au niveau de la technologie et tout ça, c'est pas mal. Je trouve que ce film, en gros, va nous montrer comment est-ce qu'on peut passer d'un esprit assez joyeux, d'un esprit assez... Ouais, tout le monde est content et tout ça, à un aspect assez film d'horreur. Ça, je trouvais que la transition était très bien faite, que le côté film d'horreur et le côté... Enfin, le début côté joyeux, puis le côté film d'horreur était parfaitement assumé, était parfaitement bien réalisé. On a vraiment le couple qui est heureux de se marier, que la famille est un peu enrôgée, n'accepte pas trop tout ça. On a vraiment aussi la tante, qui vraiment, parce que c'est la jeune mariée qui n'est pas d'accord, mais qui sait qu'elle va crever au bout d'un moment donné. Elle se demandait si c'est pas elle aussi qui connaît les cartes avant que Satan le choisisse. Donc pour conclure, Wedding Nightmare, un film assez simple, je dirais pas que c'est le meilleur film du monde, un film assez gore, il faut quand même le préciser, avec un bon scénario qui tient bien la route. Bon, peut-être des fois, si, il y a une chose où genre, on a une des bonnes, les bonnes seront toutes tuées dans le film, ouais. Et il y a l'une des bonnes en fait qui coinçait dans mon charge, et puis, ah bah mince, dis donc, elle appuie sur le bouton. Ça, ouais, bof, ils ont peut-être dû carrément le retirer, et puis je sais pas, inventer un autre truc pour qu'elle meure directement, voilà. Enfin, qu'elle meure directement, plutôt que, ah bah non, mince, elle s'est coincée la tête dans le monde charge. Ouais, donc, un film quand même assez simple, assez bon, avec un scénario qui tient la route, avec des personnages assez simples, qui sont pas trop extravagants, qui sont assez quand même stéréotypés. Et si jamais je vous conseille d'aller le voir, bah, oui, justement, je vous conseille d'aller voir ce film parce que c'est un très bon film. Si jamais vous voulez vraiment des screamers, enfin, pas des screamers, mais si jamais vous voulez passer vraiment une soirée assez agitée, assez film d'horreur, allez le voir parce que franchement ça vaut le coup d'œil. C'était Redbone, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao tout le monde, à la prochaine.